La grappiner hors contexte, je ne sais pas comment ça peut être interprété. Bah lui mettre le grappin dessus quoi. Ouais, c'est vrai que hors contexte c'est très bizarre aussi. Allez, grappinage. Hop. Hop. On lui aspire le nombril. Bam. Bam. Voilà. Ça c'est pour pas avoir fait mon lit la dernière fois. Et voilà. Yay. Et un étage de fée. D'ailleurs il y a un truc là pour... Non, je croyais que c'était un truc qui pouvait se propulser. Alors du coup, hop. On a la valise. Vous l'avez annulé. Et un nouveau bouton. Oh. Yeah. Luigi. Oh oh oh. En plus de ma valise, il me semblerait que tu aies récupéré un bouton d'ascenseur. Bravo Luigi. Maintenant, reviens au labo. J'adore la petite musique. Alors attendez, parce qu'il y a aussi un autre endroit. Il y a un autre balcon à visiter. Mais il faut que je trouve le... Vous voyez sur le plan haut à droite? Vous voyez qu'il y a des petits pointillés. Donc il doit y avoir un accès. Faut que je regarde bien les murs. Vous voyez, il y a même la fenêtre ici. Peut-être que j'ai accès par en bas à droite en fait. Mais là, de l'autre côté, je sais qu'il y a le passage secret, mais. Hop, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de passer par là sinon? Mais à mon avis, il faut que j'ai un upgrade pour réussir ou faire avancer l'histoire pour réussir à virer le canapé qui est devant. Le passage. Attendez. Donc là, à mon avis, il y a forcément un moyen. Ah, attendez! On voit qu'il y a un petit encart là. Il n'y a vraiment pas une fenêtre où on peut passer. Et là on voit que c'est barricadé. On voit que c'est barricadé. On me demande s'il n'y a pas moyen de balancer un truc dessus carrément. Même peut-être d'aspirer directement. Ah bah voilà, tout simplement. Oh. Mais quel homme intelligent. Oula, attention, grand. Il a lu. Souké, souké. En fait, ce qu'on sait pas, c'est que Catastrophe, c'est un ancien membre du Magic System. Souké, souké. Il veut dire zouké, zouké. Il a été viré pour des problèmes de d'articulation, je crois. Alors, attendez, je suis sûr qu'on peut atteindre là-bas. Attendez, est-ce qu'on tombe si... Oula. Ouais, à mon avis, il est trop au bord. Attendez, est-ce qu'on peut voler un petit peu avec le jetpack? Non. Oh putain. On peut pas aspirer. On tente ou pas? Peut-être avec la lampe, il y a peut-être moyen de faire apparaître. Oui! Un passage secret! Merde! Fallait que j'aspire les trucs avant, j'avais pas vu. Voilà. Oh. En japonais c'est Oyama, d'accord. Ah t'étais passé au même endroit Cupix. En fait sur... Merde, je vais pas repasser ici. En fait sur des jeux comme ça faut presque se faire une liste des capacités du personnage, c'est-à-dire tu fais une petite liste, genre jetpack, aspirer, souffler, révéloscope, ventouse, et puis en fait dès que tu bloques un endroit tu recheck tous les trucs de la liste pour voir si t'as bien tout testé. C'est vrai qu'à chaque fois c'est comme les nains de Blanche-Neige, il y en a 7, on sait qu'il y en a 7 mais on en oublie toujours un. Bah, sur des jeux comme ça t'as toujours une habilité que tu oublies d'utiliser correctement. Et souvent après tu repasses et tu fais ah et tu trouves le truc du premier coup. Alors ça me donne où ça? La musique d'angoisse. Ah, Alucard doit pas être très à l'aise là. Ami arachnophobe, bonsoir. Oula, comment le billet est passé par là? Du coup en bas ouais c'est le passage qu'on avait pris tout à l'heure pour choper la gemme. Ah, attendez, hop, ça. Merde mais.
Il y a tout mon Pokémon qui s'en va sans moi. On va récupérer les araignées, on montrera après. Atchoum, prof, grincheux, limite, passe partout, passe muraille, minimati, j'ai bien mes 7. ça doit pas être la version Disney que t'as vu avec Pixel. Ok, on l'a bien eu, ouais. Et du coup, on a quoi là-dedans? Oh, de l'argent. Et du coup, je me demande à quoi ça sert les espèces de perles qu'on chope. C'est juste pour de l'argent ou si c'est encore autre chose. Là, il y en avait pas une là. Il y a ma petite. Voilà. On a bien tout. Non, il reste encore ça. Yay. Ok. Oula, il est un petit peu raide. On dit c'est pour ça qu'il a pris un aspirateur parce que son balai il a égaré quelque part. Là, il y a vraiment pas moyen de faire un truc par là-bas. Normalement, il n'y a rien sur le plan, donc non, mais je préfère vérifier pour être sûr. Non. Et on peut rentrer par... Ah. Et du coup, je suis déjà passé par là ou pas? On dirait bien, mais du coup, je peux repasser pour avoir la souris qui vient d'apparaître. D'accord, donc il y a des éléments qui apparaissent que si on regarde un certain endroit, en fait. Allez. Ah mais y'a l'autre qui me donne encore des leçons. T'as caillé si t'es pas content. Et plouf. J'ai dit plouf. Voilà, merci. Hop. Ah mais franchement on l'adore, il est beaucoup moins dirigiste que le 2. J'adore les jeux à monde ouvert ou semi-ouvert. Là pour l'instant je suis gâté. Alors. J'ai rien oublié. Bon, faudra revenir de l'autre côté qu'on aura ce qu'il faut. Oh, fire. Yeah. Oh. Uji, on dirait bien que tu viens de gagner l'accès au troisième niveau. Avant de t'y rendre, aurais-tu l'obligeant de repasser par le labo pour me rendre ma valise? Bon bah, si insiste hein. Merci Winry. Alors. C'est ça, exactement ça, Cupixel dans le 2, c'est le côté épisodique qui casse un peu l'envie de découvrir, c'est exactement ça. Moi le 2 je l'ai bien aimé, mais le fait à chaque fois d'avoir le côté on s'arrête, on reprend, on s'arrête, on reprend, on peut pas aller où on veut. Franchement une fois que j'ai fini j'avais pas envie de faire le 100%. Ouais c'était bien là le labo, je ne sais plus. Alors qu'en vrai c'était un bon jeu hein, mais... Ah Luigi, tu es de retour, je te saurai gré de me rendre ma valise. Wow. Ah, il y aura des nouvelles choses, Winry, t'inquiète pas. Voilà, nous allons enfin pouvoir acheter et utiliser ça en combat. Mon grand âge m'empêche malheureusement de chasser les fantômes. Plutôt que d'abandonner ma passion, je me suis créé un assistant. C'est quoi ce truc? Laisse-moi te présenter la toute dernière invention. Ah, c'est pas le... Je repense à la boîte du jeu. Le Slime Luigi. Le Gluigi, c'est ça. Du génial professeur Catastrophe. Luigi, sa conception ne s'est pas faite sans encombre, mais quelqu'un m'a aidé à tester le prototype. Pardon? Tu n'en vois pas utilisé? Calme-toi mon garçon. Luigi, peux-tu te tourner s'il te plaît? J'ai peur. Penche-toi Luigi, penche-toi, t'inquiète pas. Je voudrais connecter ceci à l'Ectoblast GLU. Et hop! Ouf! Il y a eu un petit sursaut. Bien, tout est prêt. Luigi, il est temps de t'entraîner. Si tu veux bien me suivre dehors. Coucou Mickey, comment ça va? T'as vu mon petit message sur Twitch pour le jeu que t'as gagné hier? C'était un piège!
Je savais qu'il fallait pas accepter ces bonbons. Ces animations suggestives tellement. Yark, 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 tu es prise au piège, Woody. En fait, c'est le méchant depuis le début, on sait pas. Depuis le premier épisode, c'est catastrophe, le méchant. Ah merde, plus de café. Ok. Oh, allons, mon garçon, je plaisante. Enfin. Cet entraînement requiert malheureusement de t'enfermer dans une cage. Pourquoi? Eh bien, parce que tu vas devoir en sortir à l'aide de Gluigi. Invoque Gluigi en appuyant sur R pour le renvoyer dans l'Octoblast GLU. Appuie deux fois sur R. Et voilà, je te présente ton nouvel assistant personnel. Il s'appelle Gluigi. Gluigi peut se faufiler dans les endroits étroits. C'est pour ça qu'il a fait Gluigi, parce qu'il aime bien qu'on se faufile dans ces endroits étroits. Comme au travers d'une grille ou à l'intérieur d'une bouche d'aération. Je vous avais dit qu'il y avait plein de bouches d'aération partout, que c'était pas pour rien. Son corps est totalement malléable. En somme, c'est mon chef-d'œuvre. Vas-y, mets-le à l'essai. Oh, ce bruit. Très bien, tu ne devrais pas avoir trop de mal à le contrôler puisqu'il a les mêmes déplacements que toi. Ah, autre chose. Quand Gluigi est présent, une fois appuie sur R pour permuter entre ou deux. D'accord. C'était un piège. Gluigi n'est pas imperméable. Au moindre contact avec de l'eau, il se dissout immédiatement. Ah, c'est pas comme dans Gremlins où il se multiplie. Tâche de garder ceci à l'esprit. Ok. Hop, on passe ici. Et bienvenue au petit nouveau, je vois qu'il y a... Putain les gars, on a dépassé... Pendant un instant, on a dépassé les 100 viewers en simultané. Merci. Ça fait plaisir. N'oubliez pas le petit follow aussi qui fait encore plus plaisir. Je suis un noob sur Twitch, c'est où la rubrique Brick Mail? Mais en fait c'est en bas, t'as un truc qui s'appelle les chuchotements. Et c'est là-bas que t'as les messages privés. Par contre, valide-le avant ce soir, Mickey, parce que sinon je crois qu'il est plus valable après. Salut Cotton, bienvenue à toi. Oh oh, bravo Luigi, ton entraînement est terminé. Je peux te confier Gluigi sans remords. Retournons au labo. Du coup, on va pouvoir récupérer encore plein de trucs, c'est cool. Bravo Luigi, c'est excellent mon garçon. J'ai d'ailleurs quelque chose à dire. Les capteurs du labo ont détecté un bâtiment pour le moins mystérieux. Figure-toi qu'il s'agirait d'une tour très impressionnante et qui plus est juste à côté de cet hôtel. Je suis bien conscient que pour toi, l'essentiel c'est de retrouver tes proches. Mais tu peux trouver le temps d'y jeter un œil, non? Le savez-vous, il y a une théorie comme quoi Catastrophe a causé l'extinction des humains dans Splatoon. D'accord. Je parie qu'elle grouille de fantômes. Tu vas pouvoir mettre tes aptitudes à l'épreuve tout en rendant service à la science. J'ai d'ailleurs créé un accès à cette tour depuis le labo. Il suffit de sélectionner multijoueur puis tour hanté. Bonne chasse. Et avant que j'oublie, si tu te sens un peu seul ou si tu as envie de te détendre, tu peux jouer au jeu de l'étrange. Jusqu'à 8 joueurs peuvent y prendre part. Et comme on le dit si bien, plus on est de fous, plus on rit. Bon, on dirait que j'ai perdu le fil. Ah oui, c'est bon, rien. Tu as maintenant accès à un nouveau niveau. On prend l'ascenseur pour te rendre au troisième niveau. Du coup, si le multijoueur est sympa, on sera peut-être des petites sessions multijoueurs de temps en temps si on peut se retrouver directement avec des... Non, avec des gens qu'on connaît, annulés. Online, ça pourrait être cool. Ah, bah cool. Attendez, du coup, attendez, on avait déjà eu ça normalement, ouais. C'est quoi si je reflash, on regagne des trucs ou pas? Non. Excusez-moi. Attends, je remets ça bien. Voilà. Je revérifie vite fait 2-3 trucs, voir s'il n'y a rien à redébloquer au passage par ici. Genre l'endroit où il y a l'électricité pour... Ah, mais attendez, je peux choper la gemme de l'autre côté, c'est vrai. Et là, est-ce qu'on peut y rentrer maintenant ou pas? Maintenant qu'on a un Gluigi. Est-ce qu'il passe à travers les grilles? Oui! Du coup. Yes! Alors, il y a un truc par rapport à ça. Non! Comment on peut faire pour choper ça? Ah, attendez, il y avait un truc là, non? Non. Peut-être ça. Est-ce qu'on peut pas mettre un petit coup de ventouse là-dessus? Ce serait cool. Non mais, tu te colles pas au mur. Voilà. Yay. Ok, un petit coup de flash. Et voilà. Plus que 3. Et il y en a une où je sais où ils se trouvent, c'est parfait. Rien de plus. On a tout vu.
Yay. Parfait. On va choper la gemme en arrière. Attendez, du coup, toutes ces valises là, ça va quelque chose? Du coup, on peut peut-être les balancer, il y a peut-être des trucs intéressants dedans. On dirait pas. C'est juste là pour faire joli. Oula! Y'a vraiment pas de thunes dedans? Non, y'a rien. Des journaux. Je peux peut-être pas toutes les faire, quoique ça prend 2 secondes. Au moins on sera sûr de rien rater. Y'a peut-être un truc qui se débloque si on les fait tout. Il faudrait vraiment explorer le maximum du jeu. Hop, voilà! Non, rien. Et bah alors? Bam! Yay! C'est un peu de la voir. Ouais. Il doit plus rester grand chose de ce côté, je crois. Ok, il y a le fantôme de la gemme. Non, non, il y a juste encore ça. Déception. On a tout cassé pour rien, à part pour faire chier les gens. Le clone de slime pour le multi, d'accord. Du coup, par là-bas. Hop. Machine à laver, parfait. Donc là, il y a le truc qu'on voulait. Hop. Donc tu vois, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure à Taylor en mode ouais, peut-être que je pouvais pas l'avoir tout de suite parce que j'avais pas les bonnes habilités. En effet, c'est le cas. Y'a rien d'autre dans les autres? Money money. Y'a des gens qui oublient leurs billets dans leurs chaussettes. Bon, j'ai bien connu des nanas qui planquaient leur thune dans leur. Ou leur carte bleue dans leur soutif. Alors, pourquoi pas des billets dans les chaussettes? Du coup, il y avait rien de plus par ici. Je crois qu'on avait tout fait. Non, ils ont bouché. On vérifie vite un coup en arrière pour vérifier que j'ai rien oublié. Ça me paraît pas trop mal là. Attendez, il y a moyen de faire quelque chose avec ça ou pas? Je ne sais plus. On dirait qu'il manque une machine là. On est d'accord? Attendez, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, c'est ça! Yay! Ça va faire quoi? Et moi je voulais une gemme. Peut-être l'igno. Hop. Rien d'autre par là-bas? Non. Bah du coup faut pas hésiter à utiliser un coup de lampe de temps en temps parce qu'a priori il y a pas mal d'éléments cachés. Je revérifie un petit peu la carte avant d'aller au prochain niveau. Histoire de voir si j'ai bien tout fait dans le coin. Ah, attendez, il y avait un truc dans l'escalier. Il y avait une gemme dans l'escalier. J'ai peut-être accès maintenant. Les autres, on peut. Ah, si, les autres, on peut quand même fouiller. A priori, à part des bulles. Un petit peu de thunes. Et du coup, il me resterait plus qu'une gemme après. Il faut que je pense à regarder en l'air parce que je regarde jamais en l'air dans les jeux vidéo. Et souvent, c'est là que reste des trucs que j'ai pas. Ouais, moi franchement j'adore ce genre de jeu Winry quand il y a des petits trucs cachés à chercher et tout. Attendez, je l'avais allumé celui-là ou pas, je ne sais plus. Ou c'est un autre que j'avais restitué. Non, j'avais déjà fait, c'est transparent. Ouais. Rien à faire avec le trou. Alors donc là, oh, il y a un truc, mais il faut que je trouve... Attendez, c'était pas là, c'était par ici. Donc est-ce que ça, on peut le bouger par hasard? Ouais. Là. Alors ça nous amène où? Il y a du pognon. Merde, mauvais bouton. Je me cours sans arrêt entre la ventouse et le chromatographe là. Je sais plus comment il s'appelle ce truc là. Hop là, oh, yay. Voilà.
Du coup rien par ici. Si, il y a encore un petit billet par là. Je trouve encore le moyen de monter. Ah. D'accord, faut pas que j'hésite à aspirer les toiles d'araignée, des fois ça fait apparaître des araignées dorées carrément. Peut-être par là, non, non, bah. J'avais pas repassé de tout côté, voilà. Donc alors, attendez, il y avait un truc à voir là, c'est ce que j'avais vu juste ouais. Donc là c'est bon. C'est là où j'étais juste avant. Là on a tout fait. Ouais. Je crois. Ouais. Donc il n'y a plus qu'à choper la gemme là-haut. Vous voyez la gemme qui est juste là. Faut trouver un moyen d'y accéder. Attendez. Ah. Ouais, je sais comment. Faudrait vraiment voir dans le détail. Voilà, il y avait une grille d'aération toute planquée à côté. Et du coup, je crois savoir où est la dernière gemme. Ça, c'est le genre de jeu, faut pas que je fasse trop de pauses entre chaque session, sinon je vais oublier tous les trucs que j'ai aperçus à droite à gauche. Voilà. D'accord, véritable all team. Ah bah non, la dernière elle est là, mais je ne peux rien y faire pour l'instant, je ne crois pas. Attendez, quoique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de viser ça? Si. Voilà. Ah mais du coup c'est... D'accord, c'est pas la même série, c'est une autre. Mais du coup... Attendez, on n'a pas aspiré les coussins ici je crois. Ah si. Il y avait un truc que je devais faire ici avant d'où... Ah non, c'était pas ici. Si, si, c'est ici. J'avais peur de confondre les étages. C'est du coup avec le slime. On va pouvoir faire ça. Vous savez le truc que je me disais tout à l'heure, mais c'est bizarre que je puisse pas y aller. Maintenant on peut y aller. Voilà. Allez. Ah et puis du coup je vais pouvoir récupérer aussi la gemme en dessous, c'est cool. Ah non, c'est peut-être comme ça qu'on la récupère justement. Non parce que là on peut rien faire, il n'y a pas d'action. Ok. Et si on balance directement un. Parce qu'à mon avis c'est comme ça qu'on doit faire quelque chose avec. Voilà, fallait juste donner un petit coup de pack. Y'a rien de l'autre côté. Bah si je me débrouille pas trop mal, Cupix. Récupère ça. Oh, encore un petit coup de fil. Déjà j'aimerais bien récupérer ça. Là, ça y est. On a fait la moitié. Attends. D'abord, je récupère ma thune et après, je récupère mon thune. Voilà. J'arrive pas à répondre. Ah, parce que j'ai une citrouille. Désolé, je peux pas répondre, j'ai une citrouille. Alors, on n'avait pas aspiré. Hop. Là, donc après faudrait que je reprenne l'ascenseur du coup. De toute façon on viendra plus tard hein, pour le 100% en vrai. Là, il y avait vraiment rien ici. Ça me dit rien. Ah si. Voilà. Allez, on continue l'aventure. Il y avait deux endroits où il y a des... Faut vraiment que je regarde par terre aussi s'il n'y a pas d'autres... Allez, je vérifie. Ah. Attendez. Ah. Un truc là-haut du coup. Est-ce qu'on peut le faire tourner? Oh, d'ailleurs, un truc par rapport à ça, il y a peut-être un deuxième interrupteur, c'est ça. S'en fout.
Et du coup, ça fait quoi? Ça fait joli. Ça fait très très joli. Mais à part ça... Je me demande s'il n'y a pas moyen de le laisser comme ça. De passer à l'autre. Si. Je vais faire la même chose. Oh. Franchement, c'est cool parce que les énigmes, elles sont très instinctives, je trouve. C'est... Tu cherches, c'est intelligent. Genre, c'est toujours même, enfin, un truc différent. Mais tu rages pas, quoi, c'est logique. C'est pas des énigmes toutes buggées ou des énigmes à la miste non plus, quoi. Donc le slime passe à travers les grilles en métal, mais pas les trous dans les murs de pierre. Non, le slime, il peut juste se liser à travers les grilles, en fait. Les trous que t'as dans les murs, ils te servent principalement à avoir un endroit pour savoir que t'as un accès là-bas ou pour voir ce qu'il y a dedans. Même des fois pour débloquer des petits éléments intérieurs genre une souris que t'avais pas avant ou des trucs comme ça. Ok. On a fait à peu près le tour. Je vérifie quand même par ici parce que j'avais pas trop visité. J'ai rien. Ah, money money. Yes. Voilà. Ok, ah, attendez, il y a encore ça là. Voilà. Et encore celui-là ici, si on peut. Pas de billets. Du coup, je me demande si on sauve les personnages, s'il y a les croix qui s'enlèvent sur là-haut. Ok, du coup, bon, on reviendra visiter le reste ici pour le 100% plus tard. On va progresser un petit peu. On va reprendre l'ascenseur pour aller au prochain endroit. Ou espionner des fantômes pendant qu'ils se grattent le cul, c'est ça. Allez, étage 5. Non, franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le jeu. Je comprends qu'il y ait tout le monde qui se... Parce que là, ça fait depuis jeudi que tout le monde y joue. Enfin, moi, j'ai reçu le jeudi, mais j'ai pas eu le temps de le lancer une seule fois. Et j'avais reçu plein de messages de tout le monde en mode « Il est trop bien, j'ai joué une heure, il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien !» Bah oui, pour l'instant, il est trop bien. Attends. C'était pas là qu'il fallait aller? On allait débloquer un nouvel étage, non? Attendez, il y a peut-être un truc... De toute façon, il y a peut-être un truc à faire déjà ici. Il y a peut-être un étage que j'ai pas vu du coup. Parce qu'à mon avis, il y a peut-être un truc à faire comme ça. Pour pouvoir aller dans ce passage là justement. Ouais. Ok. Ça là on peut rien faire avec. Non. Hydration. D'accord, New. Alors. Non, ça sert à rien. Et là par contre il y a des trucs cachés par ici normalement. Parce que là déjà ils disent qu'il y a une porte, alors qu'il n'y en a pas. Ils disent qu'il y a une sortie par là-bas. On voit qu'il y a un truc, donc c'est soit... Ouais. Je veux dire soit ça, soit du... soit aspirer. Yay. Ça c'était la chambre de Peach. Putain ce bruit des armoires, j'avais oublié de ça. Voilà. Ah, il y a un truc derrière, on dirait. Ils avaient mis paquet pour Peach. Hein. Attendez, on dirait qu'il y a un passage secret par ici. Ouais, on voit qu'il y a une trace sur le mur et qu'il y a un truc sur la map. Et là, Peach est bad avec ses billets dans ses valises, tranquille. Et ses lingots. Eh bien, ça se fait pas chier une princesse. Intéressant. Voici un passage par ici. Voilà. Ça fait rien.
Non, on peut pas l'avoir ça. Ça se casse pas. Hop, par là-bas. Faut qu'on ait fait le tour ici. Si, il y a le lit encore. Voilà. On va voir ce qu'il a laissé comme souvenir dans les toilettes Peach. Ouais, normalement c'est comme dans Luigi's Mansion 1, quand on reviendra plus tard, il y aura peut-être des fantômes et c'est ça qui permettra d'allumer les salles. C'est à chaque fois qu'on va aller d'une salle en battant les fantômes, elle s'allume. Je sais plus si c'était quand on battait les fantômes qu'il y avait ou quand il y avait un 100% dans une salle. Par contre, je prendrais. Ventilation là-haut. Voilà. Hop, rien par là. Hein? Hello. Du coup. Chromato. Non, j'ai dit chromato. Tu veux comment il s'appelle cette fonction? J'appelle ça le chromato, mais c'est pas du tout chromato. Ok. Pas oublier les rideaux. Voilà. En vrai, Luigi va vider son aspirateur, il va pouvoir faire toute la déco chez lui. Non, il y avait un truc que j'avais vu dans le miroir, mais que je vois pas ici. Regardez. Ah non, si c'est bon, c'était le truc là. Ok. Donc on y est, il doit y avoir encore un truc avec le l'arrosoir là. Peut-être qu'il faut pas que je nique les plantes tout de suite en fait. En les arroser. Je comprends toujours pas ce que je dois faire avec les plantes en vrai. Parce qu'après je les éclate mais ça fait rien. Il y a des trucs planqués par là-bas. Est-ce qu'il y a moyen de piner ça? Non. Voilà. Là, y'a rien avec. Non, je crois pas qu'il fallait les aspirer. Je crois limite qu'il fallait que j'attende pour plus tard. Hop. Hop. Ouais, et ça, est-ce qu'il y a moyen de. Non. Ah! Bah, c'était le fameux passage secret que j'ai vu tout à l'heure. Il y a moyen de le choper direct comme ça. Bah, écoutez, mon cucune, c'est cool. Elle doit être sûrement au bout du couloir. Un endroit que j'ai pas encore visité. Il y a un passage secret par là-bas. Ouais, il y a une salle que j'ai pas visitée non plus par ici. Bah écoutez, je crois que cet étage-là, on va pouvoir le faire à 100% là. Oula, je savais pas que ça pouvait faire du dégât ça. Surtout que ça t'apparaît directement sur la gueule. Alors c'était la chambre de Mario, on avait déjà un petit peu visité, il y avait un passage. Alors attendez. Parce qu'on avait pas encore ce qu'il fallait, du coup on pouvait pas ouvrir cette porte là. Merde. Pourquoi ça a pas marché? Bah alors. Parce que là on voit qu'il y a un petit passage secret derrière, un accès au balcon je crois. Ouais, on y a un gros coffre derrière en plus. Voilà. Merci Winry. Ah bah voilà. Tout simplement. Mais du coup c'est frustrant, il y a une armoire qu'on peut pas ouvrir. Money money. Je sais pas s'il y a un moyen d'ouvrir ou si c'est juste là pour faire chier. Peut-être que c'est un truc pour une mission plus tard, hein, avec un peu de chance. C'est quoi ce thé vert dégueulasse? C'est tout. Il n'y a pas à boire de thé. Alors attendez, il n'y a vraiment aucun moyen d'ouvrir. Ah attendez, si peut-être, peut-être qu'il y a un moyen. Peut-être qu'il faut ouvrir les deux portes en même temps.
Voilà. Merde, raté. Pourquoi ça n'a pas marché? Tout à l'heure, c'est super bien marché. Bon, là, c'est peut-être un truc qu'on peut pas ouvrir et puis c'est tout. Hein. Non, bah tant pis. Ça me fait mal au cœur quand on le fait disparaître, le truc en mode il est en train de mourir en fait. On le prive de sa liberté. Alors attendez, ça bouge pas mal quand même. Le truc, ça bouge un peu trop. Est-ce qu'on peut éloigner ça déjà? Non. Est-ce qu'on peut directement tirer là-dessus? Non plus. Ça doit être pour faire joli alors. Moi par contre, ce qui m'intéresse, c'est. Par là-bas, doit bien y avoir un accès. Merde, trop tôt. Voilà. C'est la mort à slip de Mario. C'est Master Ryu. Bah j'ai essayé, ça a pas marché a priori. À moins que j'ai mal fait. Hop, la ventilation, on n'oublie pas. La... Merde. La grille d'aération. Oh le petit coin-coin en plastique, c'est mignon. Si ça se trouve, c'est moi qui l'ai fabriqué dans... Comment ça s'appelle ? Little Big Workshop. D'accord, il y a une épée dans les chiottes. C'est un peu dangereux, non ? Ok, alors Gluji. Ouais, hop, bam. Yay, il faut faire attention de ne pas passer dans l'eau, ce serait bien. Et voilà. Tout simplement. Attendez. Est-ce qu'il y a moyen de passer de l'autre côté en vrai? Non. On a fait le tour. Je pense. Ok. Mais ouais, du coup, je me suis peut-être foiré avec les deux outils à côté. Tout à l'heure j'y étais arrivé du premier coup facile avec le... Comment ça s'appelle? Merde. Attendez, peut-être que si je me mets un petit peu plus sur le côté. Avec le canapé, mais là c'est peut-être moi qui me suis mal placé ou un truc comme ça. Parce que là il est bien en train de tirer, on est d'accord. Merde. Là on voit bien qu'ils sont prêts tous les deux, et pourtant il n'y a que Luigi qui tire, l'autre j'arrive pas à le faire tirer en même temps alors que ça avait très bien marché. Pour le canap. Non. C'est bizarre. C'est très bizarre. Je vois pas sur Luigi des fois que... Là normalement les deux ils tirent, on est d'accord. Ah j'ai pas vu qu'il y avait des points de vie Luigi. Bon bah tant pis. C'est peut-être qu'on peut vraiment pas, hein. C'est peut-être une armoire secrète, ou une armoire importante pour plus tard, je sais pas. Du coup, de toute façon, il nous reste encore une salle par là-bas, donc je pense que le joyau, il doit être planqué dans le coin. Les coins-coins sont perdus. C'est une petite invasion cachée, en fait. Les deux sur la même porte, je crois pas que tu puisses. Attendez, là, c'est la même armoire ou pas? Et vous savez quoi? Je crois qu'en fait c'était une connerie. Je crois qu'en fait il fallait juste appuyer sur X quand j'étais devant. On retournera voir la chambre de Mario après. Rappelez-moi si j'oublie. Hein. Mais je crois qu'il fallait juste que je me cale juste devant et que j'appuie sur X. Je crois que c'est une connerie. Quoi. Donc ça se trouve, il y avait vraiment rien en fait. On cache tout. La vie, ça se prend. Ah, ils sont violents les fantômes. Mais en vrai je comprends pas parce qu'ils auraient voulu nous buter, ils auraient foutu vraiment des vrais explosifs et tout, quitte à mettre des pétards. La valise on peut pas la prendre. Non. Faudrait juste pas que j'oublie de prendre la pièce à gauche. Viens par là-bas. Bam. Yay. Par ici. Oula. C'est quoi ce panier de poissons pourris? Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va faire tout ça avec. Tiens dessus.
Non, juste pour faire joli. Ok. Et là, je vois qu'il y a un magnifique reflet avec des barres. Comment ça s'appelle? Des lingots. Voilà. Et du coup, il manque quand même toujours un joyau. J'étais sûr qu'il serait là. Et j'ai pas l'impression qu'il est là. Sauf s'il est derrière la porte de douche, là. La rue de touche. Non. N'oublie pas la thune dans les rations. Il y en a pas ce coup-ci. Rien par là. Oula. Déception, je pensais vraiment qu'il y aurait un truc ici. Je pensais vraiment. Bon, à part un go, hein, mais c'est déjà bien. Rien allumé par ici. Ils ont pas le budget. Le budget pourquoi? On est fait l'ignot. Mais bon. Pour des méchants, tuer les gentils, c'est jamais très très simple. Tu regardes dans les... Ah, tiens. Dans les James Bond, il y a toujours le méchant qui a besoin d'aller faire un truc pendant qu'ils sont occupés à essayer de tuer James Bond. Ce qui permet à James Bond de se barrer. Ben là, c'est exactement pareil. Ok, ça n'a rien apporté. Quelque chose de nouveau par ici, peut-être? Non. Ouais, du coup, je vois pas trop où est le dernier truc. Tant pis. On va voir plus tard. Attendez, il faut que je retourne voir la chambre de Mario. Ouais, c'est bien là, je reconnais pour tout. Voilà, je me suis vraiment fait chier pour rien en fait. Un visiteur venu d'ailleurs. Yeah! Merci beaucoup à toi, Malikara, pour ton follow. Bienvenue. Et on se rapproche des 1800, il en reste combien là pour arriver aux 1800 followers? Attendez, il y a une ventilation là-haut. Du coup, je sais pas trop où se trouve la dernière. Y'a rien par rapport à ça. Je vois qu'il y a un panneau là-haut, mais de toute façon, les glaces, on peut pas les graffiner. Ouais, putain, je vois pas trop où se trouve la dernière pour l'instant. Je crois qu'il y a des ennemis qui pop au fur et à mesure. Faut pas tirer le journal. Oula, ils sont vénères. Vous avez qu'à avoir une tablette comme tout le monde. J'adore parce qu'ils ont rien fait, ils sont totalement flippés les pauvres. C'est nous qui sommes venus les emmerder. On tombe avec eux avec une projection, d'accord, ça fait partie des succès. Je crois que je l'avais déjà fait cette grille là par contre. Coucou Mariko. Monsieur Doudou. Tu peux pas... J'y suis déjà allé, monsieur Doudou. Attends, pourquoi t'es pas habillé en vert? C'est spécial Luigi, pas Mario? Bah oui, mais si je suis Luigi, qui va jouer dans le jeu? Logiquement. Et bon, je me dis que ça se trouve, les gens qui sont daltoniens qui vont venir sur ce live ne vont absolument rien remarquer. Bon, si, ils vont quand même se dire, je comprends pas, il est habillé en Luigi, pourtant il y a un M sur sa cache-cut. Attendez. Je vais vérifier vite fait la map. D'ailleurs, au final, je sais même plus quelle est ma mission. Normalement, j'avais un nouveau bouton. Hop. Ouais, très important, mais tu fais le. La carte sur ton bébé pour voir s'il n'y a pas de pièce. Autre chose, parler. C'était dans le journal, je crois. La vraie mission. Ouais, les boutiques de hôtel. C'est quoi les boutiques de hôtel? Mais je vois pas quel étage j'ai pas fait, pourtant j'avais mis un nouveau bouton. Mais j'avais pas de nouveaux étages. Si. Un visiteur venu d'ailleurs. C'est une MDev. Bienvenue, merci beaucoup pour ton follow. Ah bah c'est le 3 les boutiques, d'accord. Quand t'habilles un Mario, Mario joue quand même dans le jeu. Oui, mais c'est parce qu'en fait, quand je fais des parties de Super Mario habillé en Mario, en fait, c'est un cosplay de Luigi en Mario.
Faut voir la petite subtilité, Mariko. Faut suivre, faut suivre. Allez. Oh ! Une boutique de fantômes café ! Il faut que j'y aille. On peut voir ça du coup. Moi je veux un café fantôme. C'est Luigi Rouge, c'est ça. Franchement ça ferait bien marrer qu'un jour il fasse vraiment un jeu Luigi où il fait « Eh !» Et il voit Mario et il fait « Eh mais c'est Luigi Rouge !» En rapport avec la vanne du Mario vert à chaque fois. Alors pourquoi j'arrive pas à choper la thune? D'accord, c'est bizarre. Alors des toilettes qui sont pas utilisables. Ah, Luigi ne peut pas aller dans les toilettes des femmes. Starbucks café, pas mal. Ça m'étonne qu'il fasse pas la vanne d'ailleurs. Avec toutes les vannes à propos des noms de boue qu'il y avait dans le 1. Salut, je suis Boulet. Salut, je suis Bout en train. Salut, je... il y avait Bouillabaisse aussi. Alors, du coup, hop, toi tu vas passer dans les petits trous. Ah bah non, c'est pas une ventilation, ça c'est. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. La ventouse sur la tête, pas mal. Alors. Là, je vois pas très bien ce qu'il y a devant en fait. Ça, c'est de quoi? Bouillabaisse, le meilleur. Attendez, c'est censé être quoi? Je vois rien. C'est con parce qu'on est vraiment pas en face. Du coup ça on peut pas ouvrir, si. Je vais voir après, on verra bien. Parce que là on voit qu'il y a un truc de l'autre côté des toilettes. Hein. Peut-être qu'il faut que je passe avec l'autre Luigi dedans, je sais pas. Je peux pas... Ah si, il peut rentrer. Hop, et ça glisse. Transfert à l'eau. Ouais c'est ça, c'est une sorte de bouge d'aération. Mais c'est juste qu'on voit pas bien les barreaux à part qu'on passe la lampe devant en fait. Alors attends, il faut que je rien couper l'eau. Sinon je peux passer avec le Luigi. Peut-être qu'il faudra revenir plus tard qu'on aura trouvé un moyen de couper l'eau. Parce que là si je fais ça, hop. Et toi tu peux vraiment pas y aller? Non. Pas pour plus tard, on verra bien. Est-ce que le Luigi comme ça peut passer sous les portes? Non. Attends mais je suis con, sinon avec un ça passe pas. Voilà. Merde. Oh! Est-ce qu'on peut tirer la chasse? J'ai pas compris. C'est un fantôme en plastique, d'accord. Ok. Le PQ, on peut le dérouler. Même pas. Hop, la même chose là. Voilà. Hop. Et là, on a une belle clé qui nous attend. On va pouvoir aller au café. Yay. Qui est-ce qui a spoilé et qui a tué des petits chats? Qu'il se dénonce. Bah, du coup, il n'y a rien ici par rapport à l'eau. Il y a peut-être un autre truc que j'ai pas vu de l'autre côté. Je revérifie vite fait, les gars. Ah, mais je suis con! Je suis con! Je suis con! Regardez dans le miroir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il est en train de serrer, quoi. Voilà, en fait. Non, c'est pas ça non plus. En fait, il y a bien un truc pour Luigi. Voilà. Voilà. Quand il y a un miroir, c'est qu'il y a, il y a au moins une chance sur deux qu'il y ait un truc en rapport. Un truc important avec. Mmh.
Il y a encore des chatons qui sont morts. Je vais finir par faire un comment ça s'appelle ? Une animation avec des bruits de chatons qui meurent. Chaque fois que quelqu'un spoil. Pour qu'il culpabilise. Ah, attendez, pourquoi j'arrive pas à tourner ça ? Salut Estia ! Merci. Attendez, donc là ça a pas marché. On doit y avoir un moyen de déverrouiller ça, mais il faut que je sache comment. Ça coince. Côté ça coince aussi, si c'est tout fait. Bah, c'est pas logique, parce que théoriquement si on tire d'un côté, ça pousse de l'autre. Non ? Il s'applaudit tout seul. Il est content. Du coup, on peut le réinvoquer par ici. Et du coup, on va pouvoir tout récupérer. C'est trop génial. Alors. Voilà. On récupère la gemme. Je vais appeler SP, attention. Non, pas des chatons qui meurent. Ça va être très bizarre si tu tapes sur Google bruit de chaton qui meurt. Si quelqu'un tombe sur ton historique après, c'est un peu chelou. Ah, attendez. Non, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais voir si c'est moyen de tirer le tableau. Rien par là. Et je me demande s'il y aurait pas un autre truc si je passe par l'aération d'ici qui était occupée tout à l'heure. On a fait le tour, c'est cool. Il est tombé comme une merde. Du coup, je me demande s'il y aurait pas moyen, quand même, je teste un dernier truc, de sortir du coup par la porte. Et là, c'était normalement réservé aux filles. Donc c'était coincé. Non, il y a pas moyen. Ok, des fois qu'il y avait un truc à débloquer comme ça. C'est à dire que mes parents, on a sauvé un petit chaton en le rendant à ses propriétaires, c'est mignon ça. Y'a rien de ce côté là des fois. Non, déception. Hop. Et du coup je vais pouvoir prendre la porte à gauche normalement. Ce bruit, il est ignoble. Hop, alors. Spoil Mario et les frères de Luigi depuis le début. D'ailleurs c'est ça que j'avais jamais compris, c'est que dans certaines traductions de l'époque, ils disaient même que ils étaient jumeaux. Et logiquement oui, parce qu'ils sont censés être frères et être nés au même moment, vu que c'est une cigogne qui rapporte tous les deux dans Yoshi's Island. Mais pourtant, c'est qu'il y en a un des deux qui a dû grandir dans une boîte et l'autre non. Mais avant je me plais Marie Covert, t'enlèves le quai et ça fait Mario Vert, je suis Luigi. Ce plot twist. Mariko a de la moustache depuis le début. Pourquoi un fantôme a des clés alors qu'il est censé passer à travers les portes? Vous avez 3 heures. Ok. Pour le style. Attends, hop, je remets ma casquette parce que depuis tout à l'heure. Elle est sympa comme casquette, mais faudrait que je m'en trouve une vraie en coton et tout. C'est du polyester de merde. C'est joli, mais ça respire pas. Ça peut le fouiller. Oui, un petit billet. Est-ce que ça on peut le balancer par hasard? Je crois pas.
As-tu vu cela? Ce vigile avait le bouton d'ascenseur en sa possession. Oh là là. Oui. Rick est parti dans le bureau de la sécurité. Rends-toi à base sans tarder. D'accord, il y a un barbeur. Venu d'ailleurs. Bienvenue à toi, Zimpy. Merci beaucoup pour ton follow. Et ben on aura plein de nouveaux coffees ce matin. Un visiteur venu. Yes, Lodness, merci à toi également. Yep. Attendez, faut que j'arrive à arriver par là-bas. Non, pas comme... venu d'ailleurs. Merci Master Ryu. Punaise, tous les follow d'un coup, les gars. C'est super sympa. Ça fait plaisir, merci. Alors attendez, est-ce qu'on peut l'avoir d'ici? Non, on peut pas l'avoir d'ici. On est arrivé au 1800? Bah ben, merci à tous les gars, allez. Bientôt les 2000, ça fait grave plaisir. 1800 tourons. Alors... Yep. Un visiteur. Et également, merci à toi et bienvenue à toi, Varro. Tu as apparu dans mes chaînes recommandées. Bah c'est bien, ils recommandent des très bonnes chaînes alors. Non, en vrai, franchement, les chaînes recommandées par Twitch, souvent j'ai des bonnes surprises. Hein. C'est des fois, je tombe sur des mecs que je connais pas de façon random. Et c'est comme ça hier que je suis tombé sur un mec qui montrait un petit peu ce qu'il faisait au Japon, c'était cool. Alors attendez, là on voit qu'il y a un truc, mais je vois pas trop ce qu'on peut faire avec. On dirait qu'il y a un truc à actionner. Bon, peut-être plus tard. De toute façon, faut plus aller du côté du vigile. Est-ce que Luigi peut entrer là-dedans des fois aussi? Ouais. Je sais pas, j'y pense pas. Ah, on peut pas braquer ça comme ça. On dirait un petit peu la boussole de Linkle dans Hyrule Warrior. Ah, on a raté le braquage. Ouais, à mon avis c'est le vigile qui doit avoir la clé. On va quand même éclater ces trucs là, hop. Ah mais le catastrophe qui est en mode forcing à chaque fois qu'il te parle. On dit ça nous permettre aussi de péter les... Le verre, ça, non? Ah, attendez. Par contre, c'est relou les projections en vrai. Faut prendre du plastique. Luigi est braqueur de bijouterie, quoi. Allez, on récupère tout. Ok, par là-bas. Non mais, catastrophe, arrête, y a pas moyen de le bloquer. Parce que là c'est du harcèlement, c'est pas possible. Ah bah voilà une gemme, yes. Et de deux. Tu veux pas désactiver les aides? Ah, y a moyen de désactiver ça en vrai. Après le souci c'est que je sais qu'il y a un moment où je vais oublier de faire un truc, ça va m'être utile et je vais gueuler comme quoi le jeu il est chiant. Donc je me tâte un petit peu. Le chapeau on peut pas les aspirer, il y a rien dedans. Ah si, il y a de la thune là. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a une décoloration dans le mur là. Attendez, faudrait faire des sons de ça. Non mais... C'est relou. Je sais pas s'il y a un truc à faire apparaître. Non, c'est juste que c'est un mur dégueulasse. Là, c'est pareil ou pas? Non, c'est aussi un mur dégueulasse. Ok, hop. Donc on a bas. Bon, on va la faire son truc de sa mission de merde parce que sinon il va continuer à nous harceler. Comment ça, Malikara? Donc là, c'est pareil, on peut passer au travers. On ira après. On ira juste après. D'abord on fait le truc de catastrophe, sinon ça va être... Alors attendez, hop là, on récupère la clé. Oui c'est bon, j'ai compris catastrophe. Il t'envoie vraiment un truc toutes les 30 secondes quoi. Ah oui, il fallait que je flash aussi avant ça. Il y a des trucs intéressants dedans.
normalement. Ou pas. Non, il y avait rien. Pas de truc planqué quand même derrière, on sait jamais. Normalement, il y a toujours un truc avec les distributeurs. Non, bah on va rentrer là. Hop, voilà. A plus, Fumsec, à bientôt. Et à plus, à Lucas. Amusez-vous bien. Et ça ne marche pas. Bah, on dit, il faut que j'aille chercher le truc dans la caisse là-bas, justement. Alors, qu'est-ce qu'on voit par ici? Et manque plus qu'à le voir en train de bouffer des donuts, et c'est le parfait stéréotype. Ok, il y a une petite voiture de police. Ok, rien de très intéressant. Par là-bas, on passera après, du coup. Ah, d'accord, il y a les symboles sur les portes à chaque fois. Mais je crois que le carreau, c'était le symbole de la... Ouais. Donc c'est bien là. Mon dieu. Luigi, c'est reconnaître les formes et les couleurs. Il a au moins les capacités intellectuelles d'un enfant de 3 ans de maternelle. Ah, il s'est mis la clé dedans, c'est dégueulasse. Moi, je les mets dans mes poches, les clés, pas à l'intérieur de moi. Parce que j'en ai beaucoup des clés. D'accord. Donc on lui avec les cœurs, va ramener avec les piques, il va ramener avec les machins, qui va ramener... Rien à péter. Et c'est pas très gentil ça. Bam. 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 Allez, d'un coup, c'est cool. Voilà. Easy. Yay. Et voilà. Il y a peut-être pas de poche. Mais il y a une salopette, il y a plein de poches dans les salopettes. Au pire, tu le mets dans l'intérieur de tes salopettes. Allez. Hop. Du coup, on récupère ça. Voilà. Mais je sens bien qu'il y a un truc ici. Donc soit juste pour faire joli, mais ça m'étonnerait. Non, c'est bizarre. Peut-être plus tard. Peut-être qu'il y aura un interrupteur, une connerie comme ça. Alors. Comme dit, on va pouvoir passer ici. C'était ici le cœur. Non, là c'est le pic. Là on a quoi? Là on a l'étoile. Donc comme on dit, le cœur il doit être à l'étage en dessous. Hop là. À droite. Ouais. Donc à gauche c'est le trèfle, j'ai pas vu. Ce bruit est horrible. Alors. Du coup, j'ai rien vu. Elle s'est barrée où ma clé? J'ai vu qu'il y avait une clé. Oh, Batman Gamer! Bienvenue à toi. Oh putain, ça en fait du pognon ça. On est en train de piller les pièces jaunes ou quoi? Merci pour ton follow, Batman Gamer. Oh, merde! Il y a des fantômes partout. Oula, ce viol en préparation. Merde. D'accord, eux, ils ont pas de point de vie. Yay! Bon, ça, c'était easy, ça. Ah, du coup, le vrai Luigi fait aussi des animations quand on fait des trucs avec l'autre Luigi. Là, ça en fait de la thune. C'est pas comme quand tu mets une balle de golf et que tu gagnes une pièce. Alors, hop, on fait tout. Il doit y avoir un truc avec ça, non? Même pas.
Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un truc avec ce tapis. Il a pas l'air de vouloir descendre. Il a l'air tout bugué. J'arrive même pas du coup à ouvrir le truc en dessous. Non, j'arrive pas à le déloger. Du coup, ça, ça me sert à quoi? Oh. Ça me rappelle le principe tout con de Donald qui se cache quand on le regarde sous la douche alors que il bat sans pantalon. Voilà. Yay. Il y a du pognon sous les tables. Bah là, la police du magasin va bientôt mourir. Enfin, remourir du coup. Mio. Il doit peut-être y avoir un truc dans les penderies. Là, il y a un billet qui s'est planqué par ici. Ouais. Mais du coup, j'ai toujours absolument aucune idée de à quoi nous servir la thune. Je me rappelais que la thune, ça servait à quelque chose dans le 2. Mais je ne sais plus à quoi. Je crois que c'était pour des améliorations ou des trucs comme ça, non? On est sûr, il n'y a rien par là-bas. De toute façon, il n'y a rien sur la map. Ok, il n'y a rien. Allez, j'ai l'impression... Qu'il y a un truc oui, il y a une bouche d'égout derrière le canapé. Il y a un petit fauteuil là. Ah, puis du coup, c'est salaud parce que c'est pas du tout à côté, donc tu t'en doutes pas. Enfin, je disais, c'est pas du tout à côté, enfin, tu vois pas sur le plan quoi. Pour moi, ça allait nous amener à une autre salle. Putain, on a quoi ici? C'était quoi? C'est juste un miroir? Y'a rien de très intéressant par là. Le mannequin, y'a pas moyen de grapiner. Ouais. On dirait qu'il y a un truc avec. Oh. Et une gemme en plus. Yay. Bah c'est bien, on est déjà à moitié des gemmes du niveau. Mais débrouille pas beaucoup. Pas trop mal. Je suis à l'étage 3, Biest. Mais je prends mon temps, je me balade, j'essaie de tout récupérer et tout. Ah non, j'ai rien raté, je crois. Et c'est un jeu pour enfants, bien éducation. Alors, donc avec les pics c'était là-haut, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, ça sert à rien, bon. Par là-haut. Salut Poplon. Bah bien joué, écoute. Attendez, du coup, je suis toujours... Ah, mais en même temps, j'ai pas encore activé le pic. À mon avis, le pic, ça nous offrira peut-être l'occasion d'aller à gauche. Hop. Yep. Pas grave. Yay. Faire tout ça. Yay. Oh, la fleur à piana. La fleur à piana, pardon. Ensuite, et suite à Luigi's Mansion 3, on retrouvera beaucoup d'enfants avec la tête coincée dans les barreaux, c'est ça. Les enfants qui font des trucs bizarres avec des aspirateurs. Ça me rappelle un certain Skyrim 8.3. Non, c'était le 1. Lui et des lunettes de soleil. Le fantôme Gilbert Montagnier. Est-ce qu'on peut pas les aspirer ces lunettes? Si, voilà. Mais il est sorti de la pièce. Ah, voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à aspirer ses enfants maintenant. Voilà, hop, lui. Ah, lui aussi il y a des lunettes. Quand même, ils sont bien moins bourrins que les fantômes qu'on avait dans les autres Dimension. Après, on les a pas encore tous rencontrés, mais. En fait, que dès le début, t'as des sacrés bourrins. Hein. Yes.
D'accord, Popon. Alors, ça c'est la boutique de souvenirs. Oh, Moni Moni. Un petit passage secret, on dirait. Ah, ça débloque juste des souris. Ah, il y a doré. Il y a deux dorés. Trois. Oui. Voilà. Avec un joli lingot en prime. Il y a encore des trucs là-haut, on dirait des pots de chambre. Ou des gros mugs. J'espère qu'ils n'utilisent pas ça pour faire les deux en même temps. Merde. Faut que je blesse. Du coup, je comprends mieux pourquoi il a une barre de vie. Notre Uji. C'est quand même des combats avec lui au final. Attendez. Le sac à dos Dora là, pourquoi j'arrive pas à l'avoir? Là, on a quelque chose. Voilà. T'as fait la pièce. Reviens toi. Donc ouais, là normalement on devrait pouvoir passer au Starbucks. Ah, toi. Putain, il est hyper actif celui-là, il est chiant. C'est parce qu'il est dans le truc à café, donc forcément il a toujours de café. C'est tout à fait logique. Allez, on la presse. Je crois que j'ai raté bien goût avant qu'il disparaisse. Ah, c'est bon. C'est bon. Vite, 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 vite. Vite! On est pas mal! Franchement, si la thune ça permet d'avoir des améliorations, on va être bien quoi. Là, on a tout ramassé quasiment dans le jeu. En allant. Ah, attendez. Ah, d'accord, ça vient d'apparaître. C'est bizarre, j'arrive pas à aspirer le tapis. C'est tout? J'ai juste fait ça pour ça. Ouais, le fantôme bien sûr, mais... Salut Spider-Pool, comment ça va? Du coup... attendez, y'a rien à faire avec le... Non, c'est juste un... Ok. C'est juste un... Un portrait. On va rien faire avec. Je crois qu'on a fait le tour. Respirer. Allez, le plan il nous dit quoi? Il nous dit qu'il n'y a rien d'autre. Dans le coin, yes. Et pour qu'il récupère ça, le trèfle c'est en bas à gauche si j'ai pas de bêtises. On a mis la dernière clé derrière, ce sera l'étoile. On aura tout fait. Mon dieu, un escalator qui marche. Un visiteur venu d'ailleurs. C'est bu Baccarat Poker, merci pour ton follow, bienvenue. Ouais, un escalator qui marche, c'est surnaturel ça, ça n'existe pas dans la vraie vie. Je vous confirme, c'est bien un hôtel hanté. Ah, attendez, parce que là, est-ce que mon Gluji va pouvoir passer par ici? Ça m'étonnerait. Non. Et du coup, je vois pas comment tu peux ouvrir ça. Du coup, je me demande si c'est pas à ça que doit servir le truc là-haut. C'est une sorte de trappe que j'avais vue et j'étais en mode, ça va sûrement servir à quelque chose plus tard. Cette trappe là, vous voyez, il y a une trappe de service, il y a un truc là-haut que j'avais pas vu avant. C'est comme si c'était presque cassé en fait. Quoi? Je regarde un petit peu autour, voir s'il n'y a pas une indication par rapport à ça. Parce que là, si on fait ça, on est d'accord, ça fait rien. Si on tire là-dessus, ça fait pas grand-chose non plus. Si on tire là-haut, ça fait rien. Si on essaie d'aspirer là-haut, ça fait rien non plus. Non, je vois pas, et je vois pas d'interrupteur non plus. La clé doit bien forcément nous servir à quelque chose.
Mais je sais pas si elle va nous servir à l'intérieur de la boutique ou pour rentrer dans la boutique, justement. T'as la barricade de ton côté? Ah bah nickel, bah ça va très très bien, écoute. Alors attendez, qu'est-ce que j'aurais manqué pour, comme possibilité? Aspirer, expirer... Le Luigi qui ne sert à rien pour le coup. Bah écoutez, je vais redescendre, il y a peut-être un truc que j'ai oublié. Bah de toute façon, les escalators s'ils sont activés à mon avis, c'est pas pour rien. N'oublie pas que tu peux ajuster la trajectoire de l'Ectoblast au gyroscope. Ok, merci. C'est extrêmement pratique pour aspirer ou souffler juste au-dessus ou en dessous de toi. Ah d'accord, ventilo. Ok, j'avais pas vu que ça faisait un ventilo en fait, les trèfles. Bah c'est bon en fait, je sais comment rentrer. Attendez. Ah j'ai un petit peu de mal. Voilà, et là ça devrait être bon. Et bah voilà. J'imagine qu'ils se font faire une coupe. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On a encore pas vu de fantôme avec une moustache ou avec une tranche pour l'instant. Oh, plein d'araignées. On prend du dégât, c'est génial. Hop. Voilà, money money. On est d'accord que normalement avec l'eau il doit fondre normalement. Attendez. Donc là il manque encore. J'ai réussi à me bloquer. Là il manque encore, de quoi activer la clé. Si on fait tourner ça très très vite. Ça va monter normalement. Ah non. Ah putain, il y a des fantômes si rares que ça. Enfin, c'est bien pour Kickstarter. Allez, ouais, bien. Ils enchaînent là. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que je vais perdre tous les lingots si j'arrive pas à choper en allant. En même temps, j'ai peur de les perdre aussi. Si je les ai pas rapidement, c'est fantôme là. Ah putain, voilà. Chier. Allez, money. Dommage, j'aurais pu finir au deuxième. J'avais largement le temps, on dirait. Du coup, j'ai toujours pas vu où je vais utiliser ma clé. Salut Dark Mag. Ouais, on joue vraiment en blind, donc faut pas donner d'indications, sinon c'est moins marrant si je galère pas un petit peu de temps en temps. Là, le live, j'ai commencé à 9h au tout début du jeu Baccarat. Attendez. Du coup, il y a forcément un truc dans le coin, on est d'accord. Est-ce qu'on ne verrait rien dans les miroirs? Non. Ça, on a fait. Là, c'est bizarre qu'il n'y a rien quand même. Ah, attendez, on peut tirer ça. Bien caché quand même. Ok. Ouais, ça me paraissait un peu grand pour qu'il y ait rien dessus. Yay. Ah damné. Alors sur Twitch, je stream vraiment depuis 5 mois et sur j'ai commencé sur YouTube il y a 2 ans et demi. On a fait un petit déménagement parce que ça commençait à devenir très compliqué de streamer sur YouTube. Malheureusement. Bon du coup là j'ai bien écrit les étoiles, cool. C'est You Beach, ça va et toi? Bah il est entièrement vert parce que c'est le Luigi, c'est le clone de Luigi. Oh, rip Luigi.
Ah, il y a beaucoup de monde aujourd'hui en effet, Baccarat, ça fait grave plaisir. Il y en a pas mal de follow aussi. Ah bah ça marche jamais très longtemps ces trucs là. Bah ça me rappelle à Paris Games Week au début, quand je suis arrivé à 10h, il y avait les escalators qui marchaient, et genre à 11h30 ils étaient déjà en panne. Oh, comme ils sont blagueurs les fantômes. Allez, on perd son bidou. C'est le même round. Ah non, c'est pas exactement le même. Et les gros oranges là. Et les jaunes aussi. Et... D'accord. Comment il marche celui-là? Oula, il tape en tout cas. Everybody does up là. Je me faut pas le grappiner. Non, ça lui fait rien de grappinage. J'ai réussi à lui enlever un petit peu de vie, mais. D'accord. Oui, d'ailleurs, plus facile. Ça lui fait quasiment rien comme dégâts. Oui, c'est quand il est. Quand il fait plouc. Vas-y, attaque-moi. Je me demande si l'eau par hasard ça lui ferait pas quelque chose. Tu aspires plus facilement les fantômes de gros calibre Genasus, ébrouillé avec le spectroflash. Merde, ah putain, j'ai presque plus de vie en plus. Ah, c'est ce que j'ai fait, je me suis bien déplacé autour de lui, peut-être derrière. Ah, fallait que je mette derrière en fait. Mes pièces qui sont barrées dans l'escalator. Pourtant j'avais cru que j'avais déjà essayé de l'aspirer par derrière tout à l'heure. J'ai pas dû être sur le bon angle. Voilà. Yay. Et en plus j'ai tout cassé, parfait. C'est le même qu'à Paris Games Week, c'est ça. C'est Fred Bull, quoi de neuf? Du coup, par là-bas. Par contre, là, il y a le toup-toum qui m'énerve un petit peu. Ça fait vibrer la manette, je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi c'est dû. Donc, ça reste respectueux dans le thème. Faut pas que ce soit du spam quoi, bah Baccarat. Sinon on serait un petit peu bâtard. Je veux une série avec ce policier. J'imagine qu'il faut que je me cache là et que j'envoie Luigi vert encore plus vert. Ah, le Tum Tum, c'est parce que j'ai plus de vie quasiment. Merde. Je sais pas où est-ce qu'on récupère de la vie en vrai. Ah putain, c'est faux. Oui. Ça va, du coup, en fait, on l'a fini quasiment. Et il faut que je laisse, voilà, s'essouffler. Après je trouve un truc en rapport. D'accord, un pistolet à eau quoi. C'est très efficace. Ah, il a une lunette de soleil, c'est vrai. Donc ils sont plus d'être... Mais on peut les aspirer. Il est horrible le bruit du tapis de vie quand même. Ça équivaut pas un Zelda mais... Voilà. Les nouvelles lunettes de soleil en forme d'étoile. Hop là. Hop.
prends les baskets. Voilà. Merde! Comment ça il a eu le temps de les remettre? Et là, on y est. Yay! Ah, il est sympa. Franchement, il est sympa ce boss. J'aime bien. Et c'est ça qui est vraiment cool dans les Luigi's Mansion, c'est vraiment les boss ou les mini-boss qui ont vraiment leur personnalité, un petit peu leur background, leurs animations et tout qui sont sympas. Et mine de rien, dans le 1, il y avait beaucoup de fantômes uniques, hein, je trouve. Surtout pour l'époque 2001, il n'y avait pas, en général, etc., les jeux où tu avais beaucoup d'ennemis différents. Surtout des boss. Et là, ils étaient tous bien travaillés, je trouvais, à l'époque. Hein? Un petit décalage. Alors. Et du coup, j'ai quand même manqué des. Comment ça s'appelle? Les cristaux là, je fais combien? Ah, il manque 3. Un visiteur venu d'ailleurs. Merci à toi, Milky Soubin, pour ton follow. Bienvenue. Ah, hop. Je vais même tout péter parce que t'es tout compris aussi par ici. Attendez, parce que sur la map ils disent qu'on a tout eu ou pas dans le coin. Bon, on a quasiment tout visité donc j'ai raté vraiment plein de trucs en fait. Je pensais vraiment avoir trouvé pas mal de choses. Il y a dû y avoir une paire de passages secrets que j'ai pas vu. Allez, on range un petit peu le bordel. Parce que ici doit sûrement y avoir quelque chose, je pense. J'adore la musique totalement chill. Ouh, ça fait du confin. T'as réussi à voir le boss. Limite ça peut faire une musique sympa, tu sais, en fond sur des vidéos YouTube et tout. Quelque chose de planqué sous des meubles et tout. Hop. Voilà. Non. Pour moi la salle est trop grande pour qu'il y ait rien de planqué. Dans les salles de boss en général, il n'y a pas grand chose, sinon ça doit dire que tu pourrais te barrer pendant qu'il y a le boss. Ouais, ben non, je crois qu'il n'y a rien. Déception. Merde, est-ce que j'ai bien mis le truc dessus? Ouais. Bon, rien de ouf. La musique de Victoire de Luigi's 2, ah pourtant j'ai. Je m'en rappelais pas. Elle n'est pas choquée à ce moment-là. Yep. Alors attendez, là il y a un truc que j'ai pas récupéré par exemple. Peut-être dedans. Une gemme. Hop. Bah alors. Un petit coup de mou, Luigi. Quoi le truc dans la droite? Ça doit être un lingot. Là-haut, on a une ventilation, mais y'a rien dedans. C'est un truc à faire avec le système de sécurité. Wow. Faut y voir ça. Bon, c'est juste pour voir vite fait quelques endroits. Hop. Y'a pas quelque chose derrière là? Non, non, oui, non. Ils s'en fait chier à mettre un truc avec de l'eau. C'est pas pour rien à mon avis. On peut rien aspirer, on peut rien envoyer. Bizarre. Et des fois y'aurait pas un truc sous le meuble là avec le tapis? Non, on peut pas le pousser, on peut pas le bouger. Ok. Bon, on reviendra plus tard au pire. Il y a peut-être des trucs qui sont débloqués aussi du fait qu'on ait fait ce passage là. Et par là. Peut-être des trucs tout simplement rétrécis. Non. Attendez, si en matelas il n'y a rien qui est réapparu, comme pour le coup de la souris la dernière fois. Je suis un peu déçu, je pensais vraiment que j'ai trouvé plus de trucs. Attendez, il y a un truc. En fait, c'est des tiroirs qui est à gauche.
Et du coup j'avais pas fouillé dedans. Ok. J'ai vraiment rien à faire avec Luigi par rapport à ça des fois. Il faut qu'il y ait une interaction spéciale. Non. Tempi. Alors. Hop. Il peut y avoir un nouvel étage. Il y a peut-être quelques trucs encore en bas que j'ai pas fait. Bien sûr, je prends pas le bon escalator, sinon c'est pas marrant. Ah mais c'est vrai qu'il y a toute une partie du niveau à droite que j'ai peut-être pas encore faite. J'y pense. On va aller voir visibilité. À part les toilettes, il y a rien d'autre. Ah bah non, il y a rien d'autre. Déception. Faudrait que je fouille un peu mieux la prochaine fois. Et un nouveau bouton. Oh, yeah. Yeah. Oh. Oh. Deuxième étage. Oh yeah. Oui, Dodo. L'ascenseur peut te conduire au hall d'entrée du deuxième niveau maintenant. Oui. À ta place, j'irai tout de suite. Hop. Du coup, je me demande si ça représente. Par exemple, si, genre, si je vais du premier étage au 15ème, j'ai une connerie. Hein. Est-ce qu'on met vraiment plus 15 fois plus de temps que si on allait du premier au deuxième? Ou est-ce que c'est juste des temps de chargement cachés faits de façon totalement arbitraire? Pas ici. Ah! Ah, restaurant italien j'imagine. Alors du coup ça on peut le virer maintenant avec notre magnifique pièce. Oh. Du coup on va peut-être trouver le truc qui manquait ici en fait, il doit être là. Ah, c'est peut-être plutôt un... Oh, restaurant à la française. Et tout chien. Alors on va tout visiter quand même. On va y aller. Oh, un billard. Hein? On peut rien faire avec? Ouais. On va se faire les lingots, hein. D'accord, faut juste mettre les boules dans les trous. Partie de billard terminée, d'accord. Du coup c'est cool parce que je... Attendez, je voudrais vérifier un petit truc. Où est-ce que c'était? C'était pas là. Attendez, hop. C'était peut-être dans guide paramètres. Du coup les... Il y avait les espèces de succès là. C'était où? J'avais trouvé ça tout à l'heure totalement par hasard, c'était pas dans les paramètres. Non. Écran titre, non, duo. Ah, on peut jouer à deux. Du coup, ça se passe comment le duo? Peut-être la carte en fait. Non. Il y a un endroit où il y avait des sortes de succès, je sais plus où c'est. Et du coup, ça peut donner des indices pour le 100% pour vraiment trouver les derniers trucs, j'imagine. Dans le journal? Ah, d'accord, donc c'est bien ces catastrophes. Merci beaucoup. R. Ouais, espoir, c'est ça. Ouais, donc du coup ça peut nous aider pour trouver des trucs un petit peu planqués, non? Non, parce que du coup c'est vraiment planqué en fait, il y a des points d'interrogation tant que je trouve pas. Dommage parce que moi justement des fois sur les jeux genre Steam, Go, tout ça, je regarde, ou PSN, enfin les jeux PlayStation, je regarde les succès des fois pour me donner des indices pour les 100%. Il y a 102 gemmes en tout, on a déjà fait un cinquième, mine de rien. On doit être un petit quart du jeu. Les animaux que j'ai dû rater. D'accord, on joue Luigi, d'accord. Ça c'est cool. Je trouve que c'est cool quand Nintendo met des fonctions pour jouer à deux.
C'est bien pour les gens qui ont un petit frère, une petite sœur et tout, qui leur cassent les pieds pour jouer avec eux. Ça permet de jouer en famille. Échec et mat. C'est quoi ce cul de cochon? On va finir par vomir. Des billets. C'était un cochon de banque. Là-bas on a la même ou pas? Là-bas, à mon avis, vu que c'est une cible. Ça marche même pas. Remboursé. Est-ce qu'on peut fermer les portes à la limite? Ouais, parce que là il y a plein de trucs à faire, on dirait. Bam! On casse tout. Merde. Ça y est, au coup, c'est comme s'il y avait des petits trophées. Pour ceux qui veulent faire un vrai 100% à blinde. Et quand on a eu l'occasion pour les succès que tu peux pas encore faire, peut-être, ouais. Bon, de toute façon, on verra ça à la fin, je pense. Il y a bien des trucs sous coussin. Du coup, il doit y bien y avoir un truc à faire avec, les, avec la cible, sinon il l'aurait pas mise, la cible. Il faut trouver quoi? Il y a pas des fléchettes ou un projectile à balancer là-haut, en disant bien. Comme on avait tout à l'heure. Parce que ça je vais retenter quand même mais ça avait pas l'air de marcher. Ça c'est pareil, on voit que ça bouge mais... Donc il y a forcément hein, une interaction à voir avec quoi. Peut-être plus tard. Non, on peut pas voir ça non plus. Ok bon on verra ça après. Ah, money money. Yep. Hello. C'est gentil, Yoku. Yoku, nos 8 tâches, ça doit être à peu près la moitié du jeu, j'imagine. Toujours aussi bien d'un bout à l'autre. Hop, ça s'affiche. Voilà. Ah, c'est là où j'étais bloqué tout à l'heure. Il y avait un passage avec la porte, on pouvait pas y passer. Ça permet d'avoir un petit raccourci. Ouais. Bam. Attends, je vais vérifier un petit peu la map vite fait. Ok. Ouais, donc j'ai pas raté grand chose. Il y a juste les nouveaux endroits, justement. Et pour lights. Ah, putain, mais... Il y en a des trucs dans les poubelles. Ok. Ok, du coup. Ah, c'est bon que c'est. Il faut rentrer dans les toilettes d'à côté et trouver un accès. Voilà. Hop. Money money. Ça fait plus longtemps que j'ai pas trop utilisé ça. Je crois que j'utilise plus souvent. Sauf qu'il y a des trucs que j'ai loupé en fait parce que j'ai pas utilisé. Ah, corbeau doré. Putain, ils ont tout mis en doré en fait dans le jeu. Les chauves-souris, les corbeaux, les... Les souris, les araignées. Voilà. Ça là-bas aussi. Donc ça disparaisse, yes. Hop. Voilà. Là, non, y'a rien. Alors, y'a plus qu'à tout ventouser. Je vais piquer son journal. Hop. Pas l'avoir directement comme ça. Non. Hop. Alors, je vais pas se faire aspirer. Tiens des gouttes. Et c'est bizarre quand même celui-là, ça faisait un petit peu un fantôme de cristal en fait. Oh oh. Hop.
Et c'est super bizarre parce que du coup, même Luigi qui est censé être grand par rapport aux autres personnages qu'on connaît, il est tout petit. Et même Catastrophe qui est pas censé être un habitant du royaume champignon, il est encore plus petit. Donc, pour quel genre de créature est prévu en fait cet hôtel? Attendez, j'ai pas trop compris ce que c'était ça. D'accord, c'est JPQ. Et là non plus. Hop, bam. Money. Yes. Et donc ça du coup, est-ce qu'on peut passer directement dedans? Faut d'abord, il faut espérer. Avec la entouse, yes. Et on envoie Luigi. Ah, j'ai oublié d'aspirer le papier toilette. Pourquoi il y a autant de boue dans les toilettes? C'est pas très hygiénique. Hop, yay! Voilà. On récupère ça cette fois-ci. Yay. Rien non plus. Si, une épée. Je sais pas pourquoi il y a des épées qui remontent de façon random. Ouais, il y a bien quelque chose, on s'est pas fait chier jusqu'ici pour rien. Il y aura un truc planqué quelque part. Là, on peut sortir par là ou pas? Non. Non, il doit y avoir un truc. Et je vois pas encore quoi. Est-ce que ce serait pas intelligent d'utiliser ça des fois? Ah! Eh ben on est tout super bien planqué en fait. Ouais, dès qu'il y a un pan de mur qui est libre en fait, faut jeter un coup d'œil quoi. Attends, si on a chopé le fantôme avec la gemme à droite, donc c'est. Donc on a quand même bien chopé quelque chose ici. Ouais, hop, on va faire un truc avec ça. Non, c'était avec l'autre que je voulais faire un truc. Tant pis. Et non plus là. Ok. Mini. Et bah du coup il n'y a plus qu'à aller sur la salle principale. Yep. Là, il y a un petit truc. Alors attendez, est-ce qu'on peut virer ça? Merde. Merde. Ok, une autre hélice derrière. Bam, ok. On va faire ça aussi au cas où. Rien de plus. On peut pas faire un truc comme ça là-dessus. Ah! Thune. Voilà. Franchement, c'est ça qui est cool, c'est que ça lasse pas en fait de chercher des petits trucs comme ça, même des petites pièces et tout dans le décor. Moi, j'aime pas des jeux où il faut tout le temps chercher, farmer et tout. Là, pourtant, c'est. Pour l'instant, c'est pas trop répétitif. Yay! Plus que deux. Oui, parce que tu manges et tu chopes la gastro, c'est un resto gastronomique. C'est pas mal. Corne d'abondance au-dessus. Du bon pain à la française. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Ça, voilà. Yep, et pas ici. Yay. On appelle Dawa, on se passe ça là-haut. Hop. Yay. Ouais.
petit passage secret ici pour Luigi. Faudrait que j'arrive à attraper tout derrière, mais il me paraît un peu loin. Ah bah non, c'est bon. Ah bah en fait Luigi va réapparaître là-haut, je crois. Directement. Franchement, pour être franc, je pensais que... Parce qu'on voit que Luigi sur l'image de la chaquette et tout, enfin on voit partout. Et même dans la PHW, il y avait un stand, un grand stand, une sorte de mini-maison. Les Dimensions que j'ai pas pu voir vraiment. Mais comme tu vois que Luigi en grand, en fait, t'as plutôt l'impression que c'est le méchant. Dans toutes les grosses séries, souvent t'as un alter ego méchant. Je pensais trop que Luigi, ça aurait été un peu comme la Dark Samus ou ça. Oh les pauvres, on va les déranger. Non. Pas l'huile d'olive. Oula, on va en avoir combien d'un coup? Oula, on manque de fantômes là. Ça va, parce qu'on arrive à tous les choper en même temps. Du coup, on peut prendre les uns pour taper sur les autres et enchaîner les autres pour retaper sur les uns. C'est juste parfait. Franchement, la maniabilité elle est franchement bien par rapport au précédent Luigi's Mansion. Voilà. Yay! Un visiteur venu d'ailleurs. Bienvenue Sabre et merci beaucoup pour ton follow. Voilà. Oh, ça commence à cramer à côté. Attends, il faut que je trouve le moyen d'éclater les autres tables parce qu'il y a peut-être des trucs en dessous et tout. Non, par contre on passe plus à les nappes. Hop. J'ai même pas fait tomber les couverts, maintenant je peux casser. Yep. On va vite faire les trucs. Ok, il y a des trucs planqués. Là, on voit qu'il y a encore de la fumée et tout. Non, c'est bon, il y en a plus. Oh, d'accord, c'est juste pour suivre les traces du chien en fait. Là, c'est vide, mais c'est parce qu'ils ont déjà tout pris. Je crois qu'on a fait le tour à peu près. Bon, alors ça sert à rien de tout aspirer non plus. Ah, attendez, par là-bas, on a pas trop regardé. Ok. Tu peux me donner un rôle pour enlever la vérification? Bah, je peux pas te mettre modo, je te connais à peine, ma hammer. Puis surtout, quelle vérification? Je vois pas ce que tu veux parler. Hop là. Allez, on aspire tout. Merde. D'accord, on peut pas aller dans la fumée. Non, c'est question. Ça me rappelle qu'il faut que j'enchaîne des assiettes, moi. Alors attendez, il y a un truc par ici, on dirait, qui est caché. Il y a la télé qui est en train de se mettre en veille, et oui, ça fait déjà 4 heures qu'on est en live. Alors, il faut plus de puissance, ce genre de situation appelle. Ouais, j'ai pas eu le temps de dire. Hop. Et là, on dirait vraiment qu'il y a un truc qui a une grosse. Okay. Alors, à mon avis, il faut juste aspirer à fumer. Voilà, avec les deux. Yay! Les stéréotypes du chef à la française. Il a changé Mario. Alors, hop, oula. Ah, il a changé le chef. J'ai pas eu le temps de... Il faut que ce soit...
Je vois quelque chose avec le poisson. Ah, il y avait un truc là. On y faut lui renvoyer le poisson. Merde. Des objets directement. Oula, 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 oula. C'est pas encore ça pour viser. Hein. D'accord, tant qu'il y a la poêle. Non, c'est pas après qu'il est tourné par hasard. D'accord. Faut bien lui lancer un truc. Et puis après le poitrier. D'accord, ça lui fait plus mal si on le balance sur le feu. Non, on dirait pas. Allez, prends sa poêle. D'accord, et quand il tourne en plus il arrête les projectiles. Ok. Fais gaffe, j'ai plus beaucoup de vie déjà. Allez, pas de viser bien d'ici. Voilà. Vite, avant qu'il prenne sa poêle. Putain, je viens de péter mes projectiles tout seul. Pas un grand. Bon, plus qu'à faire ça encore 2-3 fois et on est bon. Kamehameha, il a dit. Merde, c'est au prix. Ouh, j'ai plus beaucoup de vie, moi. Ouais, faut vraiment le faire juste avant qu'il tourne, c'est parfait ce moment-là. Allez, un dernier coup, on est bon. Non, je pense pas récupérer la poêle à ce moment-là. Restait encore des projectiles par là-bas, non? Ah, il restait de la vie. Plutôt intéressant. Ouh, merde, 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 merde! Ah, le problème, c'est que quand t'as un objet avec toi, tu peux pas courir pour ta vie. Oh putain, je suis trop mal là. Merde, merde, merde. Putain, j'ai mal de fou à viser. On va rester loin, on va rester loin. On va attendre le bon moment, ça ne bougera pas trop. Pour bien viser. Non, non, cours. Putain. Vite, 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 vite. Je galère. Je si je peux pas tirer le truc directement là-bas. J'arrive pas à bien viser. Merde, dommage. Putain, je pense que je devais aspirer direct. Ah bordel, mais... Ouais, non. Ouais! Maintenant! Bon, ça on peut vraiment dire que c'est au poil de cul, hein. C'est le premier moment que je gagne autant. Eh bé! Merci Orphan! On récupère ça. Et voilà. Ratatouille. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à bouffer les trucs ici? Merci Sabre. Il faut voir un truc en haut tout à l'heure. Ouais. Encore un petit peu de planque à droite à gauche on dirait. Orphan. Là où y'a rien, non. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir ces portes là, tiens. Et le four surtout. Ok, une grosse dinde, j'aurais pu l'utiliser du coup. Ça, hop. On dirait bien qu'on peut le tirer aussi. Non, il faut pas être à deux.
ça peut l'air de suffire. Ah si, c'est bon, c'est juste que je vais avoir un mauvais angle. C'est quoi ce truc? C'est un poisson lanterne, non? On dirait lanterne des poissons lanternes. C'est ça. Mais il a des trucs dans la bouche. Il a, ouais, il a des... Super. Bah... Ah bah... Soit bug comme ça, hein. Soit Luigi, ça sera plus simple. D'accord, sabre. Oh, le petit chien. Allez, voilà, on range. Si on prend des trucs intéressants à côté là. Ok, là, est-ce qu'on va mieux y arriver? C'est peut-être la dinde qui fait tout bugger en fait. On dirait ça. Bien, voilà. Oh, c'est bizarre. Ça se colle pas comme d'hab en fait. Voilà, ça serait mieux. Ouf. Cette violence. Ok. Attendez, je me demande s'il n'y a pas un truc avec l'horloge là-haut. Merde. Chope-le. Yes. Putain, tous les animaux de la thune quoi. Ah si, faut rester appuyé, je pensais genre qu'il fallait arriver sur une heure précise. Ah attendez, il y a un truc à faire là aussi. Ok. Ah mon avis, peut-être que si j'avais allumé le feu tout à l'heure et que j'avais balancé le cuisinier comme j'avais fait sur le truc, il y aurait moyen de faire plus de dégâts.